Donc là, on va regarder les élèves qui étaient en difficulté en septembre, voir s'il y a eu une amélioration. Madame Morin. Elle a 9. La voyez-vous? Non. 9. Elle a une 8. 8. Okay. Elle a fait ça en 36 minutes, donc elle faisait sérieusement. Elle a augmenté un petit peu au niveau de l'écriture qu'il a dans sa pile. C'est moi. Au niveau de l'écriture, voyez-vous, à la première étape, elle était quand même à 81, donc elle était quand même une élève quand même forte. Puis est-ce qu'elle a augmenté ou elle Mais a là, dit... oui, elle a augmenté. Puis, elle a encore augmenté. Oui, elle a augmenté, elle, en écriture. Puis au niveau de ses traces, on voit exemple, dans, au niveau de la syntaxe, son critère 4.1, mais en début, tu sais, elle était à 4 erreurs, 2 erreurs, en fin, une erreur seulement, tu sais, je veux dire. Puis elle a pris sa peine de remplir sa grille oui. comme une fois. Son rempli, orthographe hein. d'usage en début d'année, elle faisait autour de 4 fautes, en fin d'année, 0. L'élève reçoit sa production écrite, prend tous les codes qui sont écrits sur sa production écrite et vient remplir sa grille. S'il a 7 fautes, exemple comme tantôt, on l'a vu dans le GN, l'élève va venir écrire 7. C'est lui qui fait le calcul. L'élève, s'il a un problème, exemple, avec le 4.10, il va se retrouver ici, comme elle n'a aucun problème avec le 4.10, elle a 0,0,0, ça veut dire qu'elle n'a fait aucune faute. Donc, l'élève ici, si on regarde, elle avait un problème dans l'accord du GN à la première production écrite, elle avait 7 fautes dans le GN. Cet élève-là a appliqué une démarche personnelle en correction par rapport au GN. Et elle a pu se corriger, puis à la fin de l'année, elle ne fait plus aucune faute avec le GN. Donc, elle a eu une montée de notes, elle, entre 12 et 13 points par tous les problèmes qu'elle a corrigés. Cette grille-là permet une rétroaction sur les apprentissages et les difficultés de l'élève. Suite à Anguet, en septembre, il y avait eu 6,25. Il avait fait le dépistage en lecture en 34 minutes. Il l'avait fait sérieusement. Puis, on va regarder en mai. En mai, M. Tanguay, il a baissé à 4. Puis il a fait son dépistage en 23 minutes. C'est avec ça, il l'a fait rapidement, là. Trop rapidement. Même, je pense même que c'est lui qui a pris le moins de temps pour le faire. Ouais. Si on regarde au niveau de l'écriture qu'il a, M. Tanguay, dans... Je l'ai. Voyez-vous, 55. Allez, prendre étape 1, 43 étape 43, puis as-tu rempli ses grilles comme si il faut? On regarde, justement, je m'en viens. Il n'a pas pris la peine. Il n'a pas grand-chose. Quasiment pas de traces, il n'y a pas mentionné féminin, masculin, les genres, les... rien. Donc, regarde ça ici. Et en lecture. On voit ça à un moment donné, là, il y a. Il a arrêté d'en ouais. C'est il ça. A arrêté. Il a arrêté. Fait que là, ce que j'entends, ce que je vois, je sais pas, c'est parce que là, on est plus soit dans le comportement, la motivation, on est ailleurs que dans les stratégies. On est ailleurs. Ouais. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avant ça, quand on disait qu'on était ailleurs, ben on le sentait, on y allait plus au niveau des perceptions. Ouais. Mais là, il y a des chiffres qui l'appuient. On a vu, il a baissé au niveau des dépistages en lecture. Au niveau de ses résultats en écriture, il a baissé aussi. Il a arrêté de faire ses traces de correction dans ses brouillons. Il a arrêté de remplir sa grille pour avoir son portrait en écriture. Donc là, on a quelque chose qui vient appuyer là, peut-être notre perception. Ici, on a M. Fillion qui avait 6,50. En septembre, puis si je regarde, rendu en mai, 8,50, voyez-vous, lui, on l'avait ciblé. Ah, ben, il a travaillé fort, lui. Louis, tu le connais, c'est ton élève. Oui, moi, là, lui, il a travaillé fort. C'est tous les mots, là, dans le fond, ça, c'est chacune de ses productions écrites. La production écrite 1, 2, 3, 4, 5. Dans le fond, toutes les productions écrites qu'il a faites, à chaque fois qu'il y avait une erreur de type, exemple, construction de la phrase dans le 4.1, bien, tous les mots sont présents. Donc, ici, il a fait 5 erreurs à sa production 4, tandis qu'à la dernière, qu'il aurait fait, il y aurait eu une seule erreur. Okay. Donc, on voit l'amélioration. C'est quand même très concret, je trouve. Là, on voit ici ses forces, là, parce qu'il est toujours, dans le fond, à zéro. Fait qu'on... Aucune t'sais... erreur, c'est ça que ça veut dire donc, quand c'est ça, ça, quand, c'est quand ça. Il est arrivé. Puis là, bien, il voit aussi sa progression d'une production écrite à l'autre. Là, si on... ouais. Ça, c'est plus on est dans l'écriture ça, ou dans ça lui permet, lui, de cibler. Okay. Ça a un impact sur la motivation, hein, parce qu'un ouais. jeune qui fait des fautes puis qui voit, supposons, 30 fois « je » dans la marge, ben oui, c'est qu'il fait des erreurs de grammaire, mais c'est pas vraiment où. Tandis qu'avec ce portrait de classe-là qu'on fait en écriture, s'il voit que dans ses 30 erreurs de grammaire, ben il y en a 17 qui touchent le 5.1, là, l'élément observable 5.1, il sait que s'il règle ce problème-là, ben il va réussir ses productions d'écriture. C'est plus précis, c'est plus concret, puis surtout nos élèves en difficulté, là, ça parle beaucoup plus. Donc l'élève sait, avec cette grille-là, son problème à lui. Donc on peut faire de la pédagogie différenciée. Et des ateliers d'aide qui répondent à des besoins, puis on n'est pas toujours en train de répéter l'accord du participe-passant pour l'ensemble des élèves.
avec les traces, parce qu'on a à peu près tous le même code, ouais. On est capable d'identifier là. On y allait plus au feeling avant ça. Ouais. Puis là, ben, on a des données pour appuyer ce qu'on fait là.